Ces cinq hommes qui vont gâcher ta vie. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Hop Hop Hop, Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, c'est dur votre homme idéal. En appréciant la quête, j'espère que vous l'avez dans votre bibliothèque. Si un jour je viens chez vous, j'espère qu'il est là et je vous le dédicacerai. Alors, ces cinq hommes qui vont gâcher votre vie, les amis, qui sont-ils? Le premier, c'est celui qui vous maltraite dans votre enfance. Que ce soit votre père, votre frère, un cousin, personne qui vous touche trop, une personne qui vous maltraite psychologiquement, qui vous rabaisse, etc. Tout part de là, de toute façon. Donc si au sein de votre famille, il y a une personne dans votre enfance qui vous a fait beaucoup de mal, cette personne peut gâcher toute votre vie. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a des psychiatres, on a des thérapeutes comportementaux, on a de la PNL, on a de l'EMDR, on a tout un tas de thérapies pour détruire ces traumatismes du passé. Mais il n'empêche que s'ils ne sont pas soignés, ils peuvent se répercuter toute la vie dans les relations que vous aurez. Qui est le deuxième homme qui peut gâcher votre vie? Le deuxième homme qui peut gâcher votre vie, c'est celui qui vous fait du mal au collège ou au lycée, dans l'adolescence, qui se moque de vous, qui vous harcèle, qui vous dit que vous êtes moche. Je sais que les enfants ont des termes abusifs. Moi, par exemple, quand j'étais au collège, il y a plein de femmes qui disaient « Non, Virgilien, il est moche. » Tu vois, une fois, j'ai demandé une fille sortir avec moi et « Non, il est moche. » Ça te détruit quand tu es adolescent, ça. Mais on ne se rend pas compte. Et les enfants, ils n'ont pas d'entre-deux. J'étais pas à la mode, j'étais pas bien habillé. Mais moche, c'était pas le terme. Tu vois, moche, c'est un côté définitif. Et dans votre enfance, il se peut que y ait un garçon qui soit, je sais pas, le BG du lycée ou j'en sais rien, et qui vous ait fait beaucoup de mal par un rejet ou autre, et qui vous ait complètement détruit votre confiance en vous, qui vous ait complètement fait du mal, un blocage avec les hommes. Là encore, il existe des tas de thérapies pour vous en défaire. Moi, je n'ai pas tout de suite fait des thérapies, j'ai fait plus tard une thérapie, mais avant tout, j'ai commencé à m'exposer, à retourner parler aux femmes, etc. Et ça se passait beaucoup mieux à 21 ans qu'à 15 ans. Je vous ai fait une petite fiche d'ailleurs sur les red flags, c'est-à-dire la liste de tous les red flags. Si vous les voyez chez un homme, c'est pas vous le problème, c'est lui. Et il faut fuir en fait. Alors, à partir du moment où vous avez cette liste des red flags, si vous restez autour d'un homme qui vous fait autant de mal, c'est votre choix. Vous êtes responsable, vous assumez de vous faire du mal. Mais en ayant le déclic, cette liste des red flags, vous allez dire « Putain, mais je me torture depuis 6 mois avec ce mec, mais en fait, le problème, c'est lui, peut-être. » Donc, téléchargez cette fiche des red flags. Je ne sais pas où vous me regardez. Si c'est sur TikTok ou Instagram, c'est dans la bio que vous trouverez cette fiche. Si c'est sur YouTube, c'est dans la description de la vidéo. Prenez bien votre fiche des red flags en commentaire épinglé également. Qui est le troisième homme qui va gâcher votre vie? Le troisième homme qui va gâcher votre vie, c'est celui qui va vous quitter ou que vous allez quitter, une rupture, un ex, mais vous allez rester bloqué dessus et vous allez rencontrer personne d'autre. Vous allez rencontrer personne d'autre parce que vous espérez que c'est pas fini. Vous espérez qu'il va revenir. Alors peut-être vous faites rien pour qu'il revienne, mais vous espérez qu'il va revenir. Vous avez besoin de ce qu'on appelle une fermeture à cette relation, un point final. Sauf que là, j'ai déjà vu des femmes bloquées pendant 2, 3, 5 ans en espérant que leur ex va revenir, alors qu'elle ne leur avait pas parlé depuis plusieurs années. Non, il faut s'arrêter les frais. Il faut vraiment arrêter les frais et recommencer à faire des rencontres. Qui est le quatrième homme qui peut gâcher votre vie? Le quatrième homme qui peut gâcher votre vie, c'est celui qui vous fait vivre une relation abusive, une relation sous emprise, une relation dont vous sortez hyper amoché. Il y a des mecs, quand vous êtes avec eux, vous le trouvez charmant, ça se passe bien, etc. Mais quand vous n'êtes pas avec eux, dans les périodes entre les fois où vous vous voyez, vous vous sentez mal. Et même peut-être que ce mec, quand vous êtes ensemble, il vous dit que vous n'êtes pas assez bien. Vous êtes trop grosse, trop petite, pas assez de seins, pas assez de fesses, pas assez intelligente, pas assez ci, pas assez ça. Bref. Et le mec, en fait, en vous mettant plus bas que terre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'emprise sur vous. Parce que vous, au lieu de dire « tu ne me trouves pas assez intelligente, mais tu es un gros connard, casse-toi », vous dites, tu me trouves pas assez intelligente, mais si, je vais te prouver que je suis assez intelligente. Donne-moi une autre chance. Et vous voyez comment ça se met en place un cercle vraiment, vraiment vicieux qui fait que, en fait, vous êtes sous l'emprise. Et plus vous restez avec ce mec en essayant de gagner des points à ses yeux, mais ce mec est un psychopathe, vous perdez confiance en vous,
vous perdez de l'estime de vous, vous faites de moins en moins confiance en les hommes et vous souffrez. Alors qu'évidemment, c'est encore dans la liste des red flags, ça. Il faut vraiment fuir ce genre de mec. Qui est le cinquième homme qui peut gâcher votre vie? Le cinquième homme qui peut gâcher votre vie, c'est celui qui vous laisse espérer qu'un jour, il va peut-être s'engager avec vous, mais qui ne s'engage pas. Parce qu'il va te trouver des tas d'excuses et vous allez aussi l'aider à se trouver des excuses, mais il ne s'engagera pas. Il va vous empêcher de rencontrer d'autres hommes parce qu'il va vous laisser la porte ouverte, l'espoir. Mais il ne va jamais s'engager avec vous. Et peut-être que vous allez être engagé dans cette relation de manière unilatérale. Vous, vous allez être en couple, mais pas lui. Tu vois. Et là, vous allez rester bloqué jusqu'au jour où il va vous dire « Non, mais maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien avec elle, on arrête de se voir. » Et vous allez tomber de très, très, très haut. Voilà, je suis désolé, mais tout ça, c'est dans la liste des red flags et vous êtes maintenant prévenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est très important de commenter si vous vous reconnaissez, si vous vous êtes reconnu dans une de ces situations, je ne vous le souhaite pas. En tout cas, si vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de réapprendre à comment faire des rencontres, comment trier les hommes et comment débuter une relation saine, il y a ma formation en vidéo, un accompagnement sur 20 semaines qui s'appelle l'Académie de la séduction. Je vous propose d'aller sur la page de présentation, découvrir ce que c'est. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.